Rappelez-vous cette expression que je dis souvent dans mes séminaires, mais la plupart des gens sous-estiment la personne qu'ils peuvent devenir en 10 ans et surestiment la personne qu'ils veulent devenir en un an. C'est-à-dire que en un an, vous voulez plein de résultats, tout de suite. Et encore, le 2 janvier, le club de gym est plein. Le 15 janvier, il n'y a plus personne. Ou le 30 janvier, il n'y a plus personne. Déjà, au bout de 15 jours, les gens abandonnent. Alors, quand je dis un an, vous pouvez devenir qui vous voulez en 10 ans. Ceinture noire de karaté, violoniste, pianiste, avoir votre vie de famille, le corps de rêve que vous voulez, une vie saine. Vous pouvez devenir qui vous voulez en 5 ans, en 10 ans. Mais vous voulez la vie rapide, tout de suite et belle. Non, abandonnez la vie rapide pour avoir une vie belle plus tard. Dans l'instant, vous bâtissez, vous ralentissez, vous agissez massivement. Je crois que si on apprenait à prendre le temps de savoir qui on veut devenir, on ne serait plus dans cette illusion de la vie que l'on peut avoir 15 kilos de plus ou 15 kilos de gras en moins en 3 semaines. Si vraiment on était honnête avec nous-mêmes, on ne serait plus dans ce miroir aux alouettes.